matin! Hi! T'es bien cute! Viens avec nous, Mathis, viens dire bon matin! Non! Samedi matin! On est samedi matin! Je le dis pas assez souvent, hein? Tu l'as retenu? Allô! On est samedi matin! Il est 8h10. Il est 8h10. Ouais. Puis là, ben aujourd'hui, on n'a rien de prévu! On n'a rien de prévu! Et si y'a quelqu'un qui appelle, si Zachary appelle Mathis? Ben viens en avant, viens le dire à la caméra. Aïe, aïe, donc. Ben si Zachary appelle Mathis, je vais dire à maman si je peux l'air. Pour ça, mais ça se sent bien. C'est pour jouer avec lui, j'espère? Oui, on Zachary, il joue avec son jeu sur sa tablette. Et après ça, c'est maman avec mon jeu. Ah, d'accord, c'est chacun votre tour. Félix, ouais. On ne voit pas comme ça. Félix en premier, donc c'est Zachary en premier, après ça c'est moi. Ouais. Mais ça va, mais ça c'est juste si Zachary m'appelle. C'est juste si Zachary appelle, c'est ça. Là, oui. il a déjà planifié que son ami l'appellerait, puis que peut-être que Félix pourrait y aller aussi, parce que la semaine dernière, il y a même invité les deux. Mais Félix s'en allait déjà chez un ami. Hein? On a eu une grosse semaine cette semaine. On était toutes fatiguées hier soir. Hein? On était toutes fatiguées hier soir. Ouais, on était brûlées. On était brûlées raides. Ok, attends. On était brûlées raides. Félix, arrête de me répéter. Ouais. Et là, en fin de semaine, nous n'avons pas grand chose de prévu. Sidney veut dire quelque chose? Non, tu attends là. Aujourd'hui, ça va être la petite routine à la maison. On sait pas trop. Peut-être. On va voir avec Chaton, mais le ménage est dû. Le Mathis, il faudrait que je fasse du pain. J'aurais aimé ça faire les petits cornets au beurre d'érable. Beurre d'érable? Il faudrait que les gars soient là. S'ils sont pas là, on n'en fera pas. On va les faire demain. Je sais pas, on verra. Non, mais si on n'est pas là, si on est chez notre ami, s'il nous appelle, tu vas les faire tout seul. Et nous autres, quand on va revenir, on prend la manche. Beurre d'érable! Ouais, Félix, il y en a eu à une fête d'amis. Je ne l'ai pas encore mangé. Nous mangeons. Parce que maman ne veut même pas que je le mange. Félix, ben, tu m'as même pas demandé de les manger comme dessert. Est-ce que je peux manger pour déjeuner avec? Pour déjeuner, j'ai dit non, Félix. Avec! Non, Félix, j'ai déjà mangé un sucrerie pendant le matin. En tout cas, les gars. Moi aussi. Ok, vous allez voir au courant de la journée ce qu'on va décider de faire. Avec parce John. Que je ne sais pas encore ce que nous allons faire. On vous souhaite une belle journée, les gars. Bonne journée, on se reparle plus tard. Champion est servi. On a décidé de faire du pain doré ce matin. Hein, Mathis? Es-tu bon? Oui. Un beau pain doré avec fraises et framboises de chez Costco, qui était très belle et très bonne d'ailleurs. Hein? Le déjeuner de champion à Félix, es-tu bon? Tu me fais un clin d'œil? Lui, il a deux tranches de pain doré. Super! Moi, hein? Maman! Toi, je t'ai déjà filmé. Puis moi, ben, je vais aller enlever la mienne de la poêle parce qu'elle va brûler. Ah, c'est pas si fait, c'est bon. J'avais baissé le feu, ça paraît. D'habitude, je pars ça à full pin. Je fais tout brûler mes pains dorés. Là, matin, je dis, wow, on est relax. On passe ça relax. Maman. Puis ça fait des beaux pains dorés. Moi, maman, c'est ça. Oui, attends un petit peu. Fait que là, maman, je
manger mes beaux pains dorés, je vais me mettre des fraises, des framboises, du sirop d'érable et ça va être super bon! Bon appétit! Ah oui, Mathias, si vous faire un clin d'œil, c'est là. C'est pas un clin d'œil, tu clignes des yeux, mon homme. Il y a des clins d'œil, c'est ça, Mathias? Ouais, le premier coup, t'as fait un clin d'œil. Recommence d'en voir. Ouais, ça, c'est un clin d'œil. Je peux voir des fois des deux bords. C'est le plus difficile, celui-là. Bon, là, j'ai faim, je m'assois et je déjeune avec mon café, mon verre de lait, mes pains dorés et les fruits. Ça va être excellent. À plus tard! Les gars sont partis avec avec papa. Ils sont partis dans le garage chez mon père pour aller. Ils ont acheté. Mathieu et mon père ont acheté une presse pour le garage. Ils ont trouvé ça sur internet là, dans un prix abordable. Donc ils ont été l'acheter hier. Puis là, ben, c'est pesant, fait qu'ils vont la débarquer ensemble dans le garage tantôt. Les gars sont partis avec papa voir ça. Donc je suis seule à la maison. C'est zen, c'est rare. Fait que j'en profite pour ramasser un petit peu partout. Là, il y a des. C'est fou. Les gars ont fait des Legos ce matin. Comme ça ici. Félix a recommencé sa maison en Lego. Fait qu'il y a des Legos partout ici, comme ça. Mon salon a l'air d'un champ de mine. C'est pas grave, ils se sont amusés et ils sont pas trop chicanés à date. Ça va quand même bien. Croiser les doigts, que ça continue à bien aller aujourd'hui. On a décidé d'aller souper au chinois, au buffet chinois chez Song, qui est un mini buffet chinois qu'on a dans notre ville. Donc on va aller souper là ce soir, ça va faire changement, on va sortir de la maison. Peut-être cet après-midi, je vais aller prendre une marche. Je vais voir, là, ça me ferait du bien de commencer à bouger un peu. Là. Je suis rendue très sédentaire, je ne fais plus beaucoup d'exercices et ça paraît sur la bedaine. Ouais, faut que je recommence là. Ouais. Fait que, on va voir. On va voir ce que je continue à faire. Bon, hein? Ouais. Papa, il donne de l'amour à son chat. Mon chat? Gros bébé. On lui a toujours pas de l'amour à son chat. Elle veut mourir pas? Aïe, mes yeux, hein? Comment qu'on demande, Mathis? C'est pas mal mieux. Wow. On s'installe pour dîner! On a fait de la bonne soupe aux poissons avec les mini pitas qui servent de cuillère. Félix, c'est pas la meilleure façon. Non, là, tu vas tout te saler. Ouais, ça va faire des dégâts. Dans les beaux bols de chez Ricardo. Non! Mm-hmm. Non.
sont dans la sécheuse en bas. C'est bon, Mathis? Vous aviez faim, hein? Bon, puis là, cet après-midi, Mathis a un ami qui s'en vient jouer à la maison. Ben, avec Mathis et Félix. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça, parce que Mathis ne veut pas que son ami touche à ses jouets dans sa chambre. Puis Zachary, sa mère, m'a dit que c'est un petit peu elle qui l'a poussé à venir ici, parce qu'il veut jamais aller chez les autres amis, il veut toujours jouer dans ses choses à la main, chez lui. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Et que nous, on va s'asseoir pour dîner, il est quand même rendu 2h-20, et on n'a pas encore dîné. On a 3 enfants. On a 3 enfants, ouais. On va dîner, puis on va attendre l'ami à Mathis. Change chaton que t'allais se coucher avant qu'il arrive pour être capable de s'endormir parce que jamais il aurait été capable. Aïe aïe aïe, il est énervé. Mathis, il ne se peut plus quand il y a des amis dans la maison. Là. Il court partout, il crie, il démolit tout. Ça n'a pas de sens. Là, je les ai envoyés dehors. Ils vont brûler de l'énergie dehors. Ils vont peut-être être plus calmes quand ils vont rentrer. En tout cas, j'espère. Il y a les deux petites filles qui les regardent jouer dehors. Les deux cocottes! Mes deux petites poupounettes d'amour. Hello! Ça va les filles? Ouais, vous allez bien? Ouais! Bon, fait que je vais en profiter pour prendre un petit café puis regarder peut-être le vlog de Tellement Mom pendant qu'ils sont dehors. Bon, là, qui dure 18 minutes, je pense pas avoir le temps de tout le regarder avant qu'elle rentre. On verra! L'ami à Mathis est parti! T'as-tu eu du plaisir avec Zachary, mon homme? Oui. Oui, t'étais content qu'il soit venu? Oui. Oui, il est fatigué, le petit homme, hein? D'accord. Aïe, aïe, aïe. L'ami à Mathis est parti! Oui, je m'en allais dire. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai même pas bu une bière, tu m'en allais dire. T'as vu quoi, hein? C'est drôle, ça? Miaou! Chaton a bien dormi malgré le bruit. Ouais, ça va. Il y avait du bruit. Félix, fais quoi là en bas? Ben là, je lui demandais de fermer la Wii. Quand ça arrive les manettes, puis finalement, il a laissé que je jouais. Il fait tout le temps ça. Ouais, quand même. Puis, monsieur Félix. Quoi? Est-ce que tu t'es amusé avec Zachary, toi aussi? Oui. Oui? Puis là, ben, tu vas fermer tout ça quand tu vas avoir fini de jouer? Ouais. Félix, tu joues au tennis. Là, on attend à voir si mes parents vont venir nous rejoindre ici ou si on va aller les rejoindre au buffet chez Swing pour souper! Manger du bon chinois plein de gras, plein d'huile qui coule et qu'on va boire de l'eau après! Ok, oui! On se reparle plus tard! Chez Song. C'était un buffet asiatique typique, là, les classiques. Là. C'était bon.
mais très gras, très sucré, très salé, très tout ça. Fait que, c'est ça. Il est rendu 11h30. Puis là, ben, on va aller prendre notre douche et se laver. Parce que, ben, on est fatigué. Puis demain, on a une autre bonne journée. Bonne. Non. Relax, mais quand même, on va se lever tôt. Hein. Les enfants, ça se lève pas tard parce qu'on nous, on s'est couché tard. Puis demain, j'ai mon amie Sylvie qui s'en vient nous voir et qui va m'aider à trier toute ma pile de linge pour les qui font plus aux enfants. Pour voir s'il y a des choses qu'elle aimerait avoir parce qu'elle va avoir un petit bébé. Puis elle a un petit garçon de 2-3 ans. 2-3 ans, là, quelque chose comme ça. Fait que voir s'il y a des choses qu'ils vont y faire à son garçon. Donc elle va m'aider à trier ça. Puis le reste, ben, ce qu'elle prendra pas, je vais le mettre en vente sur Internet. Donc là-dessus, moi, je vais vous souhaiter de passer une belle soirée, une belle nuit. On va se reparler demain matin. En forme, j'espère, après une belle nuit de sommeil. Bye bye! Bonne soirée!